Shem. Abu Wabru Ruho Kadisho Hadalo Shariro Amen. Abund Bashmayo Neth Kadashmoch Tithe Malkuthoch. How many minutes I can speak? 10 minutes. No. 10. No. You already used up some time for the introduction. Yeah. So about 7 more minutes. Yeah. Seven. Very tight, I'm very sorry. Thank you very much. Je dois vous parler en français, si vous voulez. La liberté d'expression et la charia, M. Hansen a bien parlé. J'ai vécu 35 ans dans les pays musulmans, arabes musulmans. J'ai étudié l'islam presque 40 ans. Je suis arrivé ici, j'ai eu le malheur de dire... Une mosquée en Europe, c'est pire que le nucléaire. J'ai eu malheur de dire aussi, un enfant musulman bien islamisé, c'est une bombe à retardement contre les petits enfants européens. L'égalité des chances ou de malchance, on m'attaquait, portait plainte contre moi. Le procès a duré presque 6 ans. J'avais 4 avocats. Et heureusement, nous avons gagné. Et les bien-pensants, les journalistes européens étaient fâchés. Pourquoi nous avons gagné? Ils étaient vraiment fâchés. Ils pensaient qu'on va être condamné. Ils pensaient qu'ils vont fermer notre bouche, c'est-à-dire la liberté d'expression. Je crois que M. Hansen a bien parlé de la charia. J'aime bien aussi parler deux ou trois mots encore sur la charia. La charia, c'est contre les athées, les juifs, nos amis juifs, et les chrétiens. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وما حرم الله ورسوله. Combattez, tuez tout homme qui ne croit pas en Allah, c'est-à-dire au Dieu des musulmans. Chapitre 9, verset 29. Chapitre 9, verset 29 du Coran. En ce qui concerne nos amis juifs, le Coran dit, chapitre 31, verset 61, ça, c'est la charia. Qu'ils soient maudits, tuez-les partout où vous les trouverez impitoyablement. En ce qui concerne les malheureux chrétiens, sont des infidèles. Lorsque vous les rencontrez, ou bien tuez-les à point d'en faire un grand carnage. Chapitre 47, verset 4 du Coran. Et ça, c'est aussi la charia. Les paroles de Mahomet, les hadiths. Merci. J'étudie l'islam, franchement, pendant 40 ans. Et je sais de quoi je parle. J'ai même, avec un grand historien, Johan Burlar, il est ici. Nous avons écrit ce dictionnaire historique de l'intolérance islamique. Donc 2000 pages. Quand nous parlons, nous savons de quoi il s'agit. Nous savons de quoi il s'agit. Batiaor, que nous aimons beaucoup, elle a écrit dans cette préface de ce livre extraordinaire dont on a étudié plusieurs années. Batiaor nous dit, témoignage de Batiaor pour le missionnaire Père Samuel Boniface. Pour le Père Samuel, mon frère, dans la dhimmitude, nous sommes des dhimmis, si nous voulons ou pas, mon frère, dans la dhimmitude qui a ressenti, expérimenté, étudié les souffrances de la dhimmitude et n'a pas eu peur d'en parler au nom des persécutés. Avec mes remerciements pour sa défense courageuse d'Israël, nous aimons Israël. Seul pays démocratique en Orient, que les chrétiens ne sont pas assassinés.
que les chrétiens sont libres. Tandis que dans tous les autres pays islamiques, les chrétiens n'ont pas la liberté même de vivre d'expression, souvent sont massacrés, insultés, calomniés. Et je peux vous dire, 42 personnes dans ma famille ont été assassinées en 1915. Voilà la tolérance islamique. Non, dans l'islam, il n'est pas ni paix, ni amour, ni la tolérance. C'est la haine des autres, mais nous devons les aimer. Comme des êtres humains, nous devons les aimer. C'est normal. C'est absolument, c'est normal. Et ici, il y a quelque chose de très intéressant aussi pour notre ami Litma. Donc, 2010, il y a 4-5 ans, j'ai rencontré, il a dit, au nom de Shema Israël, priez sur ma tête. J'ai imposé la main sur sa tête, et c'est vrai, il est venu chez moi à la Sainte Messe, catholique, en latin et en français, en araméen, et il a dit, le Père Samuel a allongé ma vie pendant 4 ans. Et finalement, c'est la vie, l'être humain est né pour mourir. L'être humain est né pour mourir. Nous devons être tolérants, bien sûr. Mais la tolérance doit être réciproque. Pour moi, la tolérance, c'est l'âme de l'humanité. Mais en islam, malheureusement, il n'y a pas de tolérance. Il y a toujours la taqiyya. La taqiyya, c'est-à-dire la ruse. Il y a une invasion de l'Europe par l'islam téléguidé, minutieusement préparé par nos dirigeants, par certains dirigeants, pour que l'islam remplace le judaïsme, le christianisme ici en Occident. Et nous devons dire non. Litman, quand il est venu chez nous, il a lu un chapitre en la bénédiction, que Dieu bénit Israël. Et je lui dis, Jésus a dit dans l'évangile, chapitre 4, verset 22, le salut vient des Juifs. Jésus-Christ a dit dans l'évangile Saint Jean. Voilà, Béthiaor, notre côté, Litman, notre côté, et il va lire, malheureusement, il n'y a pas de voix. Il était enchanté. J'ai parlé gloire au peuple d'Israël, un État démocratique en Orient au milieu de 300 millions musulmans. C'est énorme, de 300 millions musulmans, seul pays démocratique, seul pays que les chrétiens sont libres, seul pays que les chrétiens ne sont pas assassinés, mais malheureusement, les médias occidentaux attaquent injustement tout le temps Israël. C'est honteux.